Il y a le monde global et la région, ou bien l'espace local. Parce que nous considérons que le savoir musulman, c'est le savoir de la religion en tant que telle, dans sa totalité, et sa capacité d'articuler l'universel dans le singulier, religion universelle, mais qui part d'une réalité, comme l'a fait le Coran, n'est pas venu avec. Si vous constatez le Coran ne propose pas une doctrine, ni un projet civilisationnel. Il donne des informations. Il rappelle des valeurs. Il affirme des pratiques culturelles et des dogmes oubliés. Des dogmes oubliés et des pratiques culturelles nouvelles. La morale n'a fait que rappeler ce qui est universel, ou bien ce qui a été déjà révélé dans la Torah, etc. Il a fait Sahafi Oula, Sahafi Ibrahima, Moussa. Donc il rappelle ce qui a été révélé, il rappelle ce qui a été gravé dans la prime nature de l'être humain. En même temps, il apporte quelque chose, les cinq prières, ça n'a pas existé nulle part ailleurs dans les autres religions, le jeûne du mois de Ramadan, etc. Il a rappelé la résurrection qui existait déjà, etc. Donc tout n'est pas nouveau dans l'islam. Mais il y a de la nouveauté. Mais il n'est pas venu avec un corpus. Il est venu des valeurs. Ce sont les musulmans qui ont fait des doctrines et qui ont construit une civilisation par la suite. Le Coran, lui, il n'anticipe pas l'histoire. Aujourd'hui, on a hérité des tendances islamistes qui viennent avec des projets mashroua islami, totalité, etc., qu'il faudrait réaliser. Ça s'appelle de la violence intellectuelle et spirituelle et morale. Parce que là où il y a l'attente, il y a des déceptions. Le Coran nous propose quelque chose de plus modeste, composé avec la réalité, avec des valeurs. La réalisation comme destinée et destin n'incombe qu'à Dieu. La victoire sur les obstacles ne vient pas de l'homme. Par contre, il incombe à l'homme de réaliser les valeurs transcendantales dans une réalité donnée. Donc, nous sommes conscients que nous sommes dans un monde mondialisé. Ce que nous disons ici est enregistré, il est écouté au Canada, etc. etc. Donc, le réel, le virtuel aujourd'hui font une seule réalité, presque quantique, où il n'y a pas de localité, où il y a l'intrication et le principe de la non-séparabilité. C'est des concepts quantiques. Ça veut dire le temps et l'espace. Donc nous devons prendre en considération cette réalité. Ce qui est dit ici peut impacter ailleurs. Ce qui est dit ailleurs peut impacter notre situation ici. Nous sommes conscients de cette interaction. Se tromper de monde, c'est se tromper de discours sur Dieu et sur les pratiques. Surtout dans l'aspect horizontal qui intègre les variables sociologiques, anthropologiques, ethnologiques, linguistiques, etc. Il y a des principes qui ne changent pas. L'arcane, l'Iman Sit, les six piliers de la foi, les cinq piliers de l'islam, les valeurs morales, akhlaq, qui n'est pas le fiqh, qui n'est pas mélanger la morale avec le fiqh. Le fiqh, il a été créé pour gérer l'ordre public. C'est un besoin de civilisation. Donc, les forages ont développé un droit justement pour gérer la société, ce qui n'est pas notre ambition aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle de la chaîne à deux minorités ou de la chaîne à fractale où le tout est dans la partie, une concentration, une contraction de la charia pour répondre à la situation laïque, française, séculière, occidentale, etc. La réalité change, la perception de la doctrine théologique et normative doit changer. Ce qu'on appelle la théologie de la réalité.